Bonjour mes petites fessées, j'espère que vous allez bien. Je viens ouvrir un nouveau vlog. Il est 8h au soir. On est le 23 mai. Je vous ai pas pris parce qu'il y a eu un petit couac dans ma journée. Voilà. Parce que monsieur est malade. Du coup, voilà, je me suis occupée de lui. Il a une gastro. Du coup, il va rester toute la semaine à la maison. Voilà. Et je viens de réaliser que je ne vous ai pas pris. Et j'étais en train de colorier. Voilà. J'ai mes petits crayons. Vous êtes sur la boîte à crayons. Et j'ai colorié dans celui-ci. Dans portrait. Je sais plus parler. Coloriage. Voilà. Dans Stitch. Et du coup, j'ai commencé. J'ai fait ça. Voilà. Pour ceux qui l'ont, c'est la page 84. Voilà, je suis occupée. C'est le premier que je fais, je crois, dedans, dans celui-ci. Ouais, c'est le premier. Jamais pris le temps à colorier. Voilà. Et là, j'ai un petit peu de temps, du coup, je me suis dit que j'allais faire ça. J'ai lu un petit peu après-midi. J'ai pas mon livre pour vous montrer. Je vais le chercher pour vous montrer. Me revoilà. Du coup, je suis dans ma lecture ici. Je vous montre. J'ai bien avancé. Je suis à 82 pages en plein milieu d'un chapitre. Comme d'hab. En fait, je l'ai commencé quand je suis partie dans le chapitre 29. En fait, je suis au chapitre 29, j'ai lu qu'une page. J'ai lu la page du 29 et j'ai commencé, voilà. J'ai dû arrêter parce que j'étais avec monsieur au médecin. Du coup, voilà. Et en même temps, ben, je fais mon petit coloriage. 4. 320. Celui-là. Et du coup voilà, j'ai pas fait grand chose, du ménage, voilà, et c'est tout. Moi, ouais, j'ai pas fait grand chose, j'ai fait une connerie, mais à mon coloriage, est-ce que je sais pas comment je peux faire pour rattraper ma connerie? Je vais voir à ça plus tard. Voilà, ben, je venais ouvrir ce vlog. Je vais même pas parler de cette lecture, c'est vrai qu'il faudrait que je vous en parle un peu plus. En fait, on va suivre deux personnages. Qui est Léa et lui c'est Ethan, je pense que ça se dit comme ça, Ethan. Par contre, je ne sais plus. Chaque fois, je me trompe dans les personnages en fait. Il y en a, c'est lui, je crois. Il y a des cicatrices visibles sur son corps. Elle a un problème qu'elle veut pas dévoiler et en fait, ils vont un peu se mettre ensemble, mais juste pour le cucu. J'ai du mal un peu à rentrer dans cette lecture. Je le dis parce que j'aime pas d'abandonner un livre, mais je suis pas vraiment dedans. Voilà. Je sais pas pourquoi, mais il y a eu aussi le problème la semaine passée que je n'avais pas. Je l'avais commencé et j'avais pas continué avec ce qui s'était passé. Du coup, voilà. Et je pense que c'est ça aussi le truc. Mais je sais pas. Je vais continuer, on verra bien. Voilà, bah je suis quand même, je pense à la moitié. Plus ou moins la moitié. Je vais essayer de le terminer parce qu'il faut que je le termine avant le 20. Il faut que il soit terminé le 27. Et on est le 23. Voilà, fin de semaine, il faut qu'il soit terminé parce que je commence une lecture le 30. Lecture commune avec des filles sur Instagram. Voilà. Et je vous montrerai tout ça bientôt, la pile. Que je vais bientôt, je pense de la semaine, je vais faire la pile de juin. Préparer la pile de juin. La pile de juin, comme ça je vais vous montrer. Celle de mois de mai. Enfin, celle-ci, ouais, mois de mai, ce que je dis bien. C'est pas très bien passé, mais vous verrez bien. De toute façon, je vais vous faire un lecture. Voilà, je vous tiendrai tout ça au courant, mais avec ce qui s'est passé, c'est normal. J'ai quand même pas lu pendant grosse semaine. Du coup, j'ai pris du retard dans mes lectures. C'est logique. J'aurais dû avoir fini depuis un moment et lire l'autre. Voilà. Mais t'es chiant avec tes TikTok. Voilà. Il est à côté, mais il envoie les TikTok. Il est chiant avec ses TikTok. Voilà, là je vais attendre, je vais regarder Top Chef ce soir parce que ça fait 2 semaines que je l'ai raté. Ouais, du coup j'ai envie de me remettre dedans, j'adore Top Chef. Et ça me fait un peu royalement
un peu, voilà, que j'ai raté deux fois, de lundi, mais voilà. Mais par ça, voilà. Et le programme de demain, je ne sais pas encore ce qu'on va faire. J'aimerais bien lire. J'aimerais bien regarder s'il n'y a pas du rangement à faire. Il faut que je fasse ce que vous voyez là. Là, demain, c'est absolument ça. Parce qu'elle commence à sentir. Voilà. Avec les chaleurs et tout ça, ça sent très, plus vite. Du coup, voilà. Je regarde ce que la télé est allumée. Je regarde si ça commence pas. Parce que normalement, ça commence à 20. Et il est 23. Du coup, voilà. Dans un instant. Voilà, ça me semble bien. Voilà, et sur ce, bah, j'ai rien à d'autre, je vous reprendrai plus demain approfondi. Sur ce, je vous laisse et je vais coller un petit peu mon. Je vais finir la partie que je coloriais et après je vais garder Top Chef. Je vous fais des gros bisous, on se retrouve demain. Bonne note en fait. C'est amusant. Bonjour, mais tu le sais, j'espère que vous allez bien, moi très bien. Je reviens dans ce vlog, on est le 30 mai, je crois que c'est ça, oui c'est ça, le 30 mai et je reviens dans le vlog. Je vais vous parler de mes lectures. J'ai commencé celui-ci en lecture commune avec des filles sur Insta et on devait lire jusqu'au chapitre 8, ça fait 44 pages. Je les ai lus, du coup je suis contente. Et là je vais attendre 8h20. Et parce que là il est que 50, je crois que c'est ça. Enfin soit. Je vais continuer celle-ci en attendant. Du coup elle sera. Il me reste pas beaucoup dans celle-ci. Hein. C'est pour ça que je la mets en parallèle. Je suis en plein milieu, enfin fin d'un chapitre. Je vais vous dire. Je suis au chapitre 20. 38 à la page 3, 236. Voilà, et je vais terminer celle-ci cette semaine en parallèle de celle-là. C'est d'abord celle-là qui comptera parce que celle-là c'est 40 pages plus ou moins par jour. Voilà, et ça ira vite celle-ci. Et celle-ci, il me reste même pas une centaine de pages. Du coup, je me dis que ça peut le faire, le terminer vite. Voilà. C'est ça le programme de cette semaine. Du coup, voilà, je vous reprendrai toute cette semaine. La semaine passée, je ne vous ai pas pris beaucoup. Je crois que je vous ai pris que 2 jours. Voilà, parce que je vous avais dit, monsieur était malade. Et du coup, je reste avec lui. Et on a fait d'autres choses en attendant. Et puis voilà. Et du coup, ben voilà. Du coup. On va continuer ces lectures. Et là, en attendant que Top Chef commence, je vais lire ceci. Enfin, je vais lire ceci. C'est comme j'ai terminé celle-ci avant
6h30, bah du coup, bah, j'ai le temps pour lire un peu celle-là. Voilà. Sur ce, je vous laisse. J'ai pas grand-chose à vous dire aujourd'hui, j'ai pas fait grand-chose. Voilà. J'ai lu, j'ai fait du ménage, j'ai pris un coup de soleil ce week-end sur le front et sur le nez. Ça se voit un peu quand je fais ça. Pas trop quand même, dans la lumière. Comme ça, on voit un peu mieux. Mais là, on voit mon bordel. Voilà. Mais à part ça, voilà, et j'ai passé un super week-end. J'espère que vous aussi, vous avez passé un bon week-end. On est en convention à la mode. Mode. Voilà, du côté de Charleroi, comme ça vous savez. Et ça s'est bien passé, à part samedi, j'ai eu un coup de soleil. Dimanche, il a fait un temps pourri entre deux averses, ça allait, mais voilà quoi. C'était pas le top. Mais ça a été quand même. Et du coup, voilà, on s'est bien amusé. C'est principal. On a vu des belles choses. J'ai pas fait d'achat. J'ai juste fait un échange. Bah, je vous montrerai ça demain, je pense. Voilà. J'avais acheté. Enfin. J'avais fait des box de sacs Lawn Flange que je vous avais ouvert sur la. Ici. Vous avez la vidéo. Si j'oublie pas, je vous le mettrai dans le petit i juste ici. Je pense que c'est bien ce côté-là. Là. Et j'ai fait un échange avec un sac et je suis trop contente. Celle que je voulais. Voilà. Du coup, voilà. Et bah, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Ben, moi, je vais pas traîner. Je vais vous laisser parce que Top Chef commence à 8h20 et il est 50. Du coup, je voudrais bien quand même lire un petit peu. Voilà. Sur ce, je vous laisse et je vous reprends demain. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite pour moi une bonne soirée, pour vous, bonne journée ou bonne soirée au moment que vous regarderez cette vidéo. Et on se retrouve demain. Bonjour, mes petits lucioles, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Je reviens dans ce vlog. On est le 31 mai. Ça va trop vite les mois qui passent. Voilà. Je suis toujours sur le lit. Parce que j'ai pas fait grand chose aujourd'hui, je me suis occupée de mes animaux. Ma fille n'était pas trop bien, voilà. Ça a l'air d'aller beaucoup mieux, je suis contente. Et du coup, je peux venir vous parler un petit peu. J'ai une chose que je vais vous montrer, si j'arrive à vous montrer. J'ai fait la semaine passée un coloriage dans ce livre, le portrait. Portrait, ouais. Coloriage mystère. C'est Stitch en couverture et j'ai fait bon, c'est la première fois que je fais un coloriage mystère, du coup je suis quand même contente. Voilà, le résultat est beau. Bon, il y a deux petites erreurs, si vous les voyez vous me les dites, moi je sais où sont, mais moi je ne dirai rien. Du coup voilà, si vous les voyez, voilà à quoi ils ressemblent. Et j'en ai commencé un autre mais j'ai pas terminé. Et du coup, vous n'avez qu'à trouver qui c'est. Moi, je le sais déjà. Enfin, beaucoup savent déjà c'est qui. C'est facile à savoir. Du coup, voilà. Et du coup, je vais vous parler d'autre chose. Il y a un chat au bout du lit qui me regarde. J'ai fini ma partie du jour. J'aime beaucoup l'histoire. J'ai envie de continuer même. Mais je ne peux pas. Je vais attendre quand même demain. Du coup, j'aime beaucoup l'histoire. Je vous en parlerai plus demain, l'histoire, parce que voilà, je suis à. On devait aller au chapitre. Je ne sais plus. J'ai pas mis mon marque comme page, bon sang. Bon, je vais vous dire après. Je vais aller voir et je reviens. Voilà, je suis arrivée au chapitre 16. Ça fait page 84 dans ce beau livre. Tout magnifique. J'aime beaucoup l'histoire. Bon, j'espère que ça va avancer parce qu'on parle pas trop de patins pour le moment. Une histoire de couple. En fait, on va suivre. Je sais jamais le nom des personnages. Enfin, soit un personnage fille, un personnage garçon qui vont tomber un peu sur le charme l'un l'autre. Mais je vous en parlerai plus. Approfondi demain quand j'aurai avancé dans l'histoire, voilà, parce que 80 pages, je trouve que j'ai pas encore vraiment. En fait, il y a quand même pas mal de choses dans cette histoire, et c'est ça que je voudrais m'opposer demain. Demain, je vais essayer de vous reprendre de la journée quand j'aurai
Je vais essayer de vous prendre du matin, vous parler un peu plus, parce qu'on parle beaucoup de plein de choses, tout ce que les personnages vont vivre. Je m'attendais pas du tout à ça. Voilà, mais je vous en parlerai plus tard. Du coup, je vous ai montré le collage que j'ai fait la semaine passée, le livre que je suis occupée à lire. Et là, comme j'ai fini, je vais aller prendre ma douche et après, je continue celui-là. J'ai lu une page ce matin. Je suis au chapitre 20, 38, je sais pas pourquoi, page 236. Je n'ai pas beaucoup avancé. J'ai lu juste la page que j'avais pas lue bon, hier, avant-hier. Enfin, soit, du coup, je vais continuer celui-là. J'aimerais le finir, il est presque fini. Il me reste moins de 100 pages, je pense. Voilà. Du coup, je vais avancer dans ça. Voilà le programme du soir. Et là, je vais aller prendre ma douche. Voilà. Du coup, je vais vous montrer autre chose. Voilà ce que je voulais vous montrer. Mon petit chat qui est en train de regarder tout ce que je fais. Si je bouge un truc, il regarde. Voilà. Du coup. Je vous montre celui-là que j'ai fait. Voilà, ça sera plus facile. Voilà. Ce sera beaucoup mieux. Vous voyez un autre personnage là. Vous voyez, je sais pas comment il s'appelle, mais le truc de mille pattes là. Mais c'est pas ça que vous allez découvrir. Parce que regardez là, c'est pas Dory, c'est son ami. Vous voyez là. Mais vous voyez quel personnage à découvrir. Voilà. Voilà, je me suis trompée, mais c'est pas grave. Et là, c'était le même pour Mickey. C'était pas du tout ça. On voit encore la tête d'un personnage ici. Voilà. Et voilà. Et j'aime beaucoup ce livre. Vous voyez, on retrouve des personnages en fait qui est pas du tout ça dedans. Et voilà. Je vous montre pas trop l'illusion. Voilà. J'aime beaucoup celui-là. Il faudrait que je regarde après les autres que j'ai en haut. Et du coup, je vais lire celle-là. J'ai lu cette partie d'aujourd'hui. Je n'aurai plus qu'à lire la partie de demain. Voilà. En plus, j'ai mon livre qui a un problème. Regardez ça. Il souffle là. Pourtant, il n'y a rien. Mais il y a un problème de base. Voilà. Mais c'est pas grave. Et voilà pour tout ce que j'ai à vous montrer. Avec un joli minou. Il est ici. Voilà. Il y a un autre juste là qui boute, mais c'est pas grave. Voilà, sur ce, je vais vous laisser et je vais aller prendre ma douche. Il s'en pose, vous entendez peut-être monsieur, mais voilà, il joue au PC, du coup, voilà. Mais ce joli minou, je sais pas ce qu'il veut. Tiens, une doudouze des abonnés, mon cœur. Voilà, sur ce, je vous laisse. Avec cette belle vue de ce joli minou, et je vous dis à plus tard. On se retrouve demain pour la suite de ce vlog. Je vous fais des gros bisous. Bonjour, Mutulus, j'espère que vous allez bien. Excusez-moi, mais je viens de monter 2 étages en courant presque. Ouais. Et du coup, je viens dans ce vlog. On est le 1er juin 2022. Ça va trop vite les jours. Ouais. En fait, j'ai reçu un colis. D'abord, je vais vous montrer. J'avais parlé, je ne sais plus quand je vous en ai parlé. Je ne sais plus quand, mais enfin, soit. J'avais des long fly que j'avais mis, enfin, monsieur avait mis en vente sur Amazon. Non, Amazon. Parce que je regarde Vinted, parce que je vois Amazon, mon colis, voilà pourquoi. Sur Vinted et on les a mis en convention samedi passé et il y a monsieur qui a voulu, enfin j'avais craqué sur un sac que je vais vous montrer et du coup j'avais mis les miens en vente aussi et on a fait un échange avec une personne, je ne dirai pas le nom parce que je veux pas que on sait jamais, voilà. Du coup j'ai fait un échange contre ça. Il est trop beau. Du coup, vous avez plein de livres. Je sais même pas si on voit les titres. Ouais, là, on voit Maléfique. Là, c'est Ro. Je sais pas ce que ça veut dire. Ursula. Là, vous avez les paniques et peurs. Vous avez Abou. Voilà. Il y a plein de petits détails qu'il faut découvrir. Là, vous avez une canne de je sais plus qui. La canne de Jafar, si je dis pas de bêtises.
Voilà. Ah bon. Et de l'autre côté, c'est le même, comme ça. Hop. Et là, vous avez le petit pharaon, la pomme empoisonnée, le collier de la voix de Ariel, vous voyez, les méduses, là. Le corbeau, des petites potions, vous avez plein de petits détails. Je sais, c'est plus de chez qui, mais encore la pâte. Enfin, vous voyez, vous avez plein de petits détails à découvrir, comme ça, si. Je ne l'ai pas encore utilisé, hop. Et du coup, vous avez la anse. Et que je vais bientôt l'utiliser, bien sûr. Ah oui, il est attaché. La lanière que je vais retirer, comme ça, elle sera faite. Je fais du bruit, j'ai du ASMR. ASMR, voilà. La lance, elle est simple, noire. Et vous avez les attaches qui se... comme ceci. Voilà, et vous avez le... Maintenant, je ne sais pas exactement où elle s'attache, ça, c'est autre chose. Il faut que je regarde. Tant qu'on y est, on va regarder. Hop. Hop. Je ne sais pas du tout où elle s'attache. Il faudra que je regarde parce que là, je ne sais pas, franchement. Et dedans, il est comme ceci, noir et mauve. Par contre, si on sait... Ah, c'est bien. On sait un peu voir les dessins. C'est plein d'écritures, on dirait, dedans. Voilà, c'est ça. Alors, on a des petites poches. On a une poche juste ici, là. Vous avez... On a une tirette... Je vous ai ici, voilà. Vous avez une autre tirette ici. Et ça, je ne sais pas comment on les attache. À part là. Ça m'étonnerait qu'on l'attache là quand même. Je ne sais pas. Il faudra que je regarde avec monsieur tantôt. Je vais le remettre dedans. Et je vais regarder. À ça après. Voilà. Du coup, on va continuer avec le colis du jour. Moi, je sais c'est quoi parce que c'est moi qui les a... commandé. Bon, je veux dire, j'ai pas eu tout, mais c'est... J'ai un livre dedans que j'ai trop envie de lire. Bon, je sais pas que c'était... C'est H. Quill. Et il est gros, il me semble. 520 pages. Bon, non. Du coup, c'est Burnie Game de chez Hugo. Roi de trèfle, elle pourra rien me mettre au tapis. J'aime beaucoup. J'ai envie de trop de le lire. Du coup, je vous lis la quatrième de coup. Mais j'aime beaucoup les cartes. On dirait qu'ils ressortent. J'aime beaucoup. Bon, du coup. Mais je ne sais pas de quand il est. C'est un vieux, un nouveau, je ne sais rien. Je l'ai vu, il me tentait absolument. Et je pense que je vais m'en procurer un deuxième. Mais pour mon père... En 2017, c'est un vieux livre. Un vieux livre, mais à nouveau pour moi. Dernière sont attitude drôle et excentrique. Charlie Buffet ont tout le monde depuis des années. Lorsqu'il attire à Las Vegas avec sa meilleure pote pour danser dans un des plus gros casinos de la ville. Ils pensent pouvoir continuer à leur cacher ce qui haine, mais les cartes qu'ils utilisent jusqu'à présent pour dérober mon chat qui saute sur moi et maman qui n'arrête pas de vibrer. Encore dérober, je me semble plus fonction. Charlie prend un peu à peu pied pour plonger dans ses pensées. De ses côtés, Amber espère que tout quitte pour venir travailler au Blue Land.
sera le coup de poker qui changera sa vie. Elle le sait, elle va devoir mettre de côté celle qui elle est vraiment. Ah non, de côté celle qu'elle était avant. C'est avant, pas vraiment. Si elle veut y arriver. Mais transformer. Tel ton. Transforme ton. Ton. Si facilement une dame de pique en dame de cœur. Voilà. Ça me donne très 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 envie. Et le dernier. Oh, il est beau. J'étais. J'en vois tellement. Oh putain, il a abîmé. Fait chier. Bon, je pense que ça va aller. On entend parler beaucoup de celui-là. Et c'est vrai que si je l'aurais eu. Mais il est gros, il est gros. Oh, il fait 1051. J'en ai beaucoup entendu parler et il me donne très envie. Mais il va me falloir un mois pour le lire. Hein. Je vous le dis. Et je l'aurais dû le prendre en Dexus. C'est un livre de Saxus. Mais ici, il est chez J'ai lu. Il vient de sortir. Et du coup, il vient de sortir. C'est Sarah Gimas. Mon bébé, il est trop beau. Mais j'aime. C'est con que je l'ai pas en toc-toc, mais j'aurais dû le prendre toc-toc-toc. La maison de la terre et du sang. Si j'ai lu, c'est Sarah Gimas. C'est Christine City. Il est trop beau. Oh, j'ai trop envie de lire. Du coup, je vais pas vous faire en lire la quatrième de couverture. Je suppose que beaucoup l'a déjà vu. C'est un peu de la fantaisie. Voilà. Du coup, il faut que je le rentre dans mes affaires. Voilà. Les deux petites réceptions du jour. J'adore trop. Voilà. Du coup, je vais vous parler de Total Girl saison 1. Le roller, j'avance doucement, je suis à 108 pages dans un chapitre le 22. Je suis en avance de mon programme parce qu'aujourd'hui on devait aller jusque le chapitre, je sais plus, 21 je crois. Ouais, je crois que c'était 21. Du coup j'ai un chapitre d'avance mais je vais continuer parce que j'ai trop envie de savoir. Du coup, on va suivre, je sais jamais les noms, me posez pas la question, pourtant je viens de lire, mais pas grave. Des personnages, une qui fait des rollers et l'autre, il est, je sais plus. Ouh là là, il faudrait que je me recoucher, moi. J'ai retenu à lire, surtout. J'aime beaucoup, on parle sur le groupe, c'est un peu cliché. La romance est un peu cliché. Ça se lit tout seul. La preuve, je suis déjà à 108 sur 3 jours. C'est un peu cliché la romance, mais bref, ça passe. Qu'est-ce que je veux dire ? C'est la première fois que je lis avec des rollers. J'aime beaucoup. Je pense que je vais prendre le tome 2 ici cette semaine ou fin de semaine. Parce qu'il me faut le tome 2. Je pense que le tome 2 va passer le mois prochain. Voilà. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup la façon elle fait des trucs qui se passent sur les patins. Je sais pas trop vous en dire parce que voilà. À part que la romance est un peu cliché, c'est ceux qu'on a déjà vus. Mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la couverture déjà. J'aime beaucoup les personnages. J'ai envie de me replonger là, d'arrêter de vous parler et de me replonger. Parce que j'ai arrêté pour le colis. Voilà. J'ai avancé un tout petit peu dans celui-ci hier. Je suis à 247 et il fait 300 quelque chose. Je voudrais bien aussi le terminer cette semaine. Voilà. Du coup, monsieur qui joue avec le qui file, il va taper les doigts. Du coup, aujourd'hui, c'est avancé jusqu'au chapitre 28. Si je dis pas de bêtises. Ouais, 28 jusqu'ici. Voilà, il me reste ça à lire. Comme ça, j'aurais lu la partie de demain. Demain, je lirai la partie de la. Attends, on est mercredi. Je vais lire la partie de jeudi aujourd'hui.
Demain, je lirai la partie de vendredi. Et vendredi, je lirai la partie de samedi. Et il me restera samedi à lire la partie. Enfin, vendredi, j'aimerais bien le terminer, en fait. C'est le but, terminer vendredi, en fait. Voilà, parce que je ne sais pas comment ça va se passer. Logiquement, samedi, je ne suis pas là. Dimanche, je serai là parce que je ne vais pas en convention. Voilà, et j'aimerais bien terminer celui-ci en même temps. Voilà, du coup, celui-ci, je termine la partie de demain. Donc ça, il est fait. Et au soir, je lirai celui-ci. Comme ça, je l'avance aussi. Et voilà. Et voilà pour les deux réceptions du jour. J'aime beaucoup cette couverture. J'ai jamais lu de Sarah Jima. J'espère que je vais aimer. Voilà, j'ai envie de me lancer un peu dans la fantasy. Je sais pas si c'est la fantasy adulte ou... Parce que le hardback, enfin le toc-toc, il vaut 25 euros. Ici, chez le livre de poche, chez J'ai lu, il en vaut que 11,99€. Du coup, c'est pour ça que je me suis pris celui-ci, que j'ai attendu, parce qu'au moment, je voulais prendre le hardback. Mais voilà. Et en plus, ils n'ont pas changé la couverture, ils ont laissé la couverture. Voilà, les deux petits de ces jours. J'attends toujours mon petit colis aussi. J'ai toujours pas de nouvelles. Je ne sais pas où il en est. J'ai regardé hier, mais... il est toujours pas envoyé, pourtant il devait l'être envoyé avant le 30. Voilà. J'attends. J'ai toujours pas de nouvelles. Et on verra. Hein. J'ai envoyé un mail hier pour savoir où il en est. J'ai toujours pas eu de réponse. On verra. On verra, verra. On verra, on verra. C'est toujours comme ça. Et puis voilà. Et ben voilà, je vais vous laisser. Je vous ai montré mon nouveau sac. Il faudra que je retire le petit plastique. Il faudra que je trouve comment on met la lanière. Voilà. Et je vous montre, c'était la collection des vilains. Si ça intéresse quelqu'un. Et ici, chez la dame que je... Enfin, la dame, la personne que je l'ai... Il était à 69 euros que moi j'ai échangé contre les trois, je ne sais plus comment il s'appelle. Calodero, je crois que c'est ça. Voilà, j'ai changé contre celui-là. J'aime beaucoup. Je vais bientôt me le mettre, enfin me le prendre. Je pense que samedi, il sera... Voilà. Il n'est pas trop lourd, ça va. Je vais mettre du poids dedans, mais... Voilà. Il est beau, hein? Il est beau? Mon chat qui regarde. Voilà. Et sur ça, je n'ai rien d'autre à vous dire. Je suis contente de mes petits achats. Je ne sais pas si vous allez voir, il est un petit peu abîmé là. J'ai vu qu'il y avait du bleu là. Je ne sais pas si vous allez voir. Non. Là, juste ici, il y a une trace de bleu. Voilà. Mais à part ça, il est bien. Bon, j'espère de ne pas trop casser le dos. Parce que j'ai quand même peur. C'est écrit quand même petit. Hein. Et je regardais, mais il n'y a rien en... Ah si. En page de début de chapitre. Voilà. Il donne trop envie de le lire. Voilà. Trop. Il y a un truc comme ça avec trop. Voilà, du coup, le programme, c'est toujours de continuer ces deux-là. Voilà. Et voilà. J'ai tout ce que je vais vous dire. Sur ce, je vais vous laisser. La bougnon ! Je vous fais des gros bisous. D'accord, il y a un truc avec des... J'ai vu qu'il y avait un genre de calendrier. Je vais vous laisser. J'espère que... Je n'ai pas trop parlé de ma lecture, mais je sais pas comment vous en parler en fait. C'est ça le truc. C'est le fait que je suis tellement à fond dedans et que je suis encore tellement... pas dire... je suis tellement dedans que c'est vrai que... Lisez-le, il est chouette. Moi j'aime beaucoup. Maintenant, à part ceux qui n'aiment pas la romance cliché, ceux qui lisent de la romance et de la romance qu'on voit un peu partout... voilà, mais l'histoire du patin me plaît beaucoup. Il y a une histoire, c'est ça que je vous ai pas dit, il faut que je vous dise aussi. Il y a des histoires aussi avec les parents, une histoire de parents de vie compliquée. Il y a un personnage qu'on suit qui a une vie très compliquée. Maintenant, si vous voulez savoir quoi, vous me faites un petit message en commentaire. Ou sur mes réseaux sociaux et je vous tiendrai au courant parce que je veux pas débattre des problèmes ici, des souffrances des personnages. Parce que ça a à découvrir quand même, voilà. Leur
Parce que quand même, les personnages ont des vies compliquées, toxiques, parfois, si je le dis, ça fait un peu de maltraitance. Voilà, maintenant, si vous en savez plus, venez. Mais j'aime beaucoup, on développe bien le personnage, voilà, leur émotion, leur plein de choses, voilà. Et du coup, voilà, j'aurai lu, enfin, j'espère le terminer pour vendredi. Voilà, et sur ce, je vous laisse et je vous fais des gros bisous. On se retrouve demain pour la suite de ce vlog. Demain, on est jeudi. Je pense conclure le vlog demain. Comme ça, demain, je vous prends dans la journée comme ici. Et après, je vais faire le montage de ce vlog. Comme ça, vous l'aurez. Enfin, non, je suis pas obligée de le monter tout de suite. C'est vrai. Je le montrerai lundi. Lundi ou dimanche. Enfin, dimanche ou lundi. Je verrai comment je suis. Voilà, je vous le mettrai pour la semaine prochaine. Cette semaine, il n'y aura pas de vlog, je pense. Parce que j'ai fait la partie de la semaine passée aussi. Et je pense que vous allez avoir un vlog sur deux ou je sais pas. Je sais pas comment ça va aller, mais pour le moment, c'est vrai que je vous prends pas souvent en vlog. Du coup, voilà. Sur ce, je vous laisse et je vous fais des gros bisous. On se retrouve plus tard dans ce vlog. Bonjour mes petites, j'espère que vous allez bien, moi très bien. On est le 3 juin. Je viens vous parler de trois petits trucs et conclure ce vlog. Du coup, déjà, je me suis pris. Trop contente. Il y a le tome 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wouh, je suis trop contente. Du coup, ici, c'est l'amour immortel, amour insolite. Why Mike? L'autre, c'est en anglais, je ne sais pas vous le dire. Amour interdite, amour dangereux et amour coupable. Je suis impatiente de les lire, mais c'est des gros pavés quand même. Voilà, ils font pas mal de pages. Du coup, c'est écrit par Jaï, pas comme ça. Cosnois, enfin je sais pas comment ça se prononce. Et j'ai pris aussi le tome 2 de la sorcière aux champignons que il faut que je lise bientôt. Voilà. J'avance dans ma lecture commune, elle est presque terminée pour moi. Voilà. Je suis à 178. Je suis déjà à la partie de samedi. Je vais essayer de continuer tantôt. Je sais plus combien je dois être. Et puis je voulais vous montrer ça aussi. Oh, il est trop beau. Je suis à la partie de samedi. Non, c'est ça. Du chapitre 36 à 42. Et je suis au. J'arrive. Parce que je suis en plus. Oh, ben je suis au chapitre 38. 38. Allez, ce que j'ai raconté. Ah oui, je suis déjà dans le chapitre de samedi en fait. Je suis 38 et c'était 36. J'ai lu deux chapitres en plus. Voilà, mais je voudrais bien le terminer à l'isque 40. Comme ça, il me resterait la partie de dimanche que je lirai samedi et je l'aurai terminé. Enfin, je ne suis pas sûre que je le lirai samedi. On verra si j'arriverai à samedi. Si je ne fais pas trop de trucs. Voilà. J'avais pas trop de trucs à vous dire. La prochaine LC, c'est partir du 20. Le 20, on lira Lettre écarlate. Voilà. De Anne Bishop. De le tome 1. Mike Corbin. Ça va être la première fois que je vais lire un peu de la bitlit dans ce genre. Mais il me tente beaucoup. Et ce sera l'occasion de le sortir. Il commence du 20. Jusqu'au 3 juillet. Comme ça, il sera lu. Et après ça, je vais essayer de terminer l'autre livre que j'ai pas à ma possession. J'ai lu un petit peu dedans. Et terminer Un palais d'épines et de roses que j'avais bien commencé aussi. J'ai 290 pages que je veux terminer absolument. Voilà, ça c'est les deux lectures. Je peux vous chercher l'autre, comme ça vous l'aurez. Je reviens.
me revoilà. Je disais, je termine celui-là, j'espère, samedi. Et je continue celui-ci parce que là, il me reste pas des masses. Voilà. Voilà, je voudrais bien le terminer. Et après, j'attaque un palais d'épines et de roses. Voilà, pour la semaine prochaine, je veux que le palais d'épines et de roses, au moins, avant vendredi, le terminer. J'espère même avant. Et après, quand j'ai lu ça, quand j'aurai lu ça, eh ben, il n'y aura plus que celui-ci à lire. Maintenant, 1, 2. Parce que celui-là n'était pas prévu, du coup, il me manque un. J'ai mis quoi dans ma lecture du mois? Je ne sais plus. J'avais mis pas celui-là, il n'était pas prévu, il était le mois passé, mais je ne l'ai pas eu beaucoup. Du coup, je veux le continuer quand même. Je vais regarder si j'avais fait ma liste. Les livres du mois. Ben non, je n'ai même pas fait ma liste du mois. Ben alors, j'ai fait où? Je ne sais plus sur quoi je l'ai fait. Enfin, soit. Je lis déjà ça. Si je lis, je finis déjà ces deux-ci. Ces deux-ci. La semaine prochaine, je serai déjà content. Celui-ci, le terminer. Gros max lundi. Mais voilà, ce serait bien dimanche. Comme ça, après, je m'attaque à celui-ci à partir du 20. Du 20 juin, je peux commencer celui-là. Et là, je serai tranquille. J'aurai déjà bien lu. Et puis, peut-être, si je commençais le tome 1. Je sais même pas combien il fait le tome 1. C'est quoi Amour à un seul long. Il fait quand même pas mal de pages. J'ai un push qui m'embête. Si je vois bien. Ouais, c'est. Pop, Amour à un seul long. Il fait 300 pages. Si je dis déjà 300 pages de celui-là, ce serait déjà pas mal. Voilà. Je ne sais pas, je verrai bien de mon humeur. Ou je me fais un qui est en retard. Je ne sais pas. Je ne sais pas. On verra bien. Sauf si je prends le tome 2. Je lirai peut-être le tome 2 d'un coup. Comme ça, ce serait fait. Voilà, je ne sais pas. Je vais réfléchir à ça. Je n'ai pas encore d'idée précise. Du coup, voilà. Voilà, voilà. Voilà, j'espère. Et aujourd'hui, j'ai pas fait grand chose. Le vendredi, je vais chez ma tante, elle donne un coup de main. Et après, je suis rentrée, j'ai lu. Voilà, monsieur qui sort de la douche. Voilà, sur ce, je vais vous laisser là. J'espère que ce vlog vous plaira. Il sera en 2 semaines. Mais voilà. Moi, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous, bisous. Ou peut-être à samedi, si j'ai envie de vous faire un vlog.